sorcier au cœur noir. Montre-toi! Sors de ton trou et affronte mon épée! Qu'as-tu fait d'Akana, chien? Où est-elle? Elle est avec son père. C'est sa place. Un père prêt à la tuer, pour assouvir sa soif de sang. Tu ne devrais pas me résister. Je suis au service des vrais dieux, et ils sont avec moi. Les dieux d'antan sont furieux, Conan. Furieux de voir ce que l'homme a fait de leur monde. La civilisation est une maladie. Moi, je libère l'homme de ses chaînes. La peste noire peut libérer la violence innée. Je suis sûr que tu comprends ça. C'est ça ton remède pour guérir la civilisation ? Je n'aime ni les prêtres corrompus, ni leurs idoles. Mais tu es pire qu'eux, et de loin! Alors tu périras comme tous les autres. Et tu me serviras pour l'éternité, dans les abysses. Les démons de Chrom t'attendent. Thank you.
puissant coup d'épée, Conan ôta la vie à Graven. Graven avait passé toute sa vie à défier la mort. Allait-il maintenant périr de la main d'un sauvage ? Non, le destin refusa de le laisser partir. Akana. Le sorcier noir disait vrai. Les esprits d'antan étaient en colère, mais pas contre les hommes des villes. Ils en voulaient à Graven. Le sorcier les avait asservis et forcés à adopter ses noirs desseins. Désormais, ils étaient libres et ils allaient réclamer vengeance. Pour toujours. Le corps blessé et meurtri de Conan remonta à la surface, vers le silence et le vide. Akana. Conan pensa qu'Akana était perdue au royaume des ombres. Mais les esprits furent cléments. Ils la remontèrent. Akana vivait. Mais elle ne verrait plus jamais le Cimmérien. Bien qu'elle pensât souvent à lui. Aujourd'hui.
Thank you.